Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui, les amis, nous allons tenter de répondre à une simple question. Est-ce que Lilith pense qu'on a trop d'argent? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Apparemment, chez Lilith, il y a des génies qui ont l'air de se dire pendant le confinement, on est en train de faire des économies, on donne pas assez d'argent. Donc, ils ont trouvé une petite stratégie pour essayer de nous en prendre un petit peu plus, toujours, chaque jour, avec le nouveau KVK. Et comme vous allez le voir, avec ce nouveau patch, le 1.0.40, c'est le sujet de cette vidéo, bien évidemment, sujet majeur, avec enfin les nouveaux commandants. On sait comment on va les obtenir, vous allez voir ça. Avant cela, les amis, comme d'habitude, les events sur mon royaume, le 12.56, qui doivent être quasiment les mêmes sur tous les royaumes, on a toujours... Bien évidemment, le plus grand gouverneur, c'est le Kill Event en ce moment. La ligue où on a parié, hein, on retournera voir en fin de vidéo les paris. La balade de Yann. Alors la balade de Yann, c'est un event simple hein, quand même. Donc n'hésitez pas à le faire. Vous allez pouvoir avoir des coffres hein, pour construire. On n'a toujours pas, comme je vous ai dit, hein, on n'a plus le Jardin de l'Infini pour avoir ses plans de craft. Même si cet event, moi, le Jardin de l'Infini, il me sort par les yeux. Parce que ça s'est claqué des gemmes quand même en masse. C'est vraiment pour les méga baleines. Et on a la réserve stratégique, et la réserve stratégique, ne rigolez pas, on va y revenir. Et l'invasion de l'ombre, c'est de la balle, c'est quand même assez simple, si vous êtes bien aidé ou si vous êtes dans une grosse alliance, de réussir à le finir et de prendre pas mal de rewards. La réserve stratégique, on y revient tout de suite. Pourquoi je vous en parle? Puisque après Cléopâtre, après ce tour de force que j'ai réussi à maxer Cléopâtre, et je vous disais au départ, j'en rigolais, mais c'est quand même bien utile parce que le cadeau du Nil, ça fait quand même un petit stock d'items bien sympa. C'est tout con, hein, j'en rigolais vraiment, mais regardez, cadeau du Nil, chaque fois que je récolte, eh ben, ça me rapporte des coffres en plus. Là, j'en ai déjà 17 000 et 17 000 de 1 million, eh ben, ça me fait 17 millions de ressources en plus, en bonus, à force de farmer. Donc, je vais pas me plaindre. Et donc, je vous disais, grâce à réserve stratégique, je vais pouvoir maxer vraiment un commandant de ouf. C'est Ondeok. Alors, c'est Ondeok, elle est quand même bien utile, bien moins utile que Cléopâtre. Hein. Elle est, c'est juste de du farm. Hein. Et je voulais bien évidemment vous montrer ça pour la blague. En revanche, ce qui n'est pas de la blague, c'est le nouveau patch, ce 1.0.40. On a reçu hier, in-game, ce fameux mail, la danse du chaos. Alors, il y a pas mal de choses dans ce nouveau patch, vraiment énormément. Regardez la taille de ce mail. Mais les mecs, je sais pas ce qu'il leur a pris, mais ils se sont dit, vas-y, Kevin, on va mettre une partie de ton rapport de stage. On va le mettre dans un patch. Fais-toi plaisir, lâche-toi. Ça me rappelle un petit peu quand on était au collège et qu'au milieu d'une disserte d'histoire, on collait 2-3 pages qu'on avait bien copié-collées de l'encyclopédie. On se disait, au milieu, il lira jamais de toute façon. Il met juste un trait rouge sur la copie et il dit bien... Donc, ça me rappelle exactement ça, ce patch. Il est vraiment très brouillon, je trouve. Beaucoup plus brouillon que ce qu'on a d'habitude en termes de patch. Venons-en tout de suite. Déjà, dès le départ, c'est brouillon. Regardez, nous prévoyons de mettre le jeu à la version 1.0.40 Danse du Chaos. Donc, j'adore déjà cette phrase. Nous prévoyons de mettre le jeu à la version 1.0.40. Kevin, ta prof de français, faut vraiment qu'elle t'aide là. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, Danse du Chaos, le 18-11-2020 UTC environ. Donc, les mecs, maintenant, nous donnent plus environ une durée de maintenance. Ils nous donnent environ une date. Ça sera environ vers le 18 novembre UTC. 18 novembre UTC. Ah d'accord, parce qu'il y a un décalage aussi maintenant dans les dates. 18 novembre UTC environ. Les mecs, c'est des génies. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, franchement, déjà, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, vous êtes quand même bien fatigués. Je pense que les fêtes de Noël, il va falloir vous reposer, les mecs. Avant la mise à jour, vous pouvez télécharger les données via l'annonce d'événements. Blablabla, bla, on est sincèrement désolé pour les désagréments. Donc, on passe ce blabla qui veut rien dire. Et tout de suite, en point 1, ils nous mettent vraiment l'info lourde qu'on attendait. Événement de crossover avec Dynasty Warrior 9 disponible prochainement, environ une semaine après cette mise à jour. Donc, ce qui est intéressant de savoir là, c'est normalement, ils nous disent une semaine, mais c'est souvent très, très rapidement. C'est souvent dès le lendemain et parfois même le jour même, mais là, dès le lendemain. Une danseuse légendaire, on sait que c'est Diao Shan. Un guerrier au pouvoir quasi divin, on sait que c'est Lu Bu. Et une intrigue qui a plongé la Chine entière dans le chaos. Un événement de crossover avec Dynasty Warrior 9 à durée limitée commencera bientôt.
Pendant ce crossover, les gouverneurs de Rock pourront recruter les personnages Dynasty Warrior 9, Lu Bu et Diaoshan. Donc, à quoi vont-ils ressembler? Eh bien, on a des screens hein, maintenant qui paraissent et ça correspond aux screens, à certains screens que je vous ai montrés. Le premier, le voici, c'est Lu Bu, il aura cette tête-là. Alors, personnellement, je trouve particulièrement raté. J'espère qu'il ne sera pas comme ça totalement in-game, mais apparemment si. Regardez cette tête, on dirait un golemon, cette mâchoire déformée, il ne ressemble à rien. Vraiment, on dirait qu'il habitait à côté de Tchernobyl et qu'il y a eu une mutation. Je pense, peut-être une piste à creuser, je pense que Lu Bu est peut-être le troisième frère Bogdanov. Car là, avec un manteau comme ça, il peut prétendre à rejoindre cette belle famille. Pour Diaoshan, alors Diaoshan, elle est Mimi, hein, ils sont moins ratés. Elle est classique, elle ressemble au reste. Elle a l'air un petit peu d'une victime, hein, il faut bien le reconnaître. On va bien voir ce qu'elle vaut. Ce que l'on sait à ce stade, c'est que Lu Bu sera un commandant légendaire. Alors ce qu'on sait, c'est ce qui se dit, hein. Évidemment, tu sais de la rumeur. Lu Bu sera un commandant légendaire, donc, et Diaoshan sera un commandant épique. C'est peut-être pour ça qu'elle a l'air d'une victime, ça sera simplement un commandant épique. Et on peut parier, regardez son petit fouet en saucisse là, c'est vraiment ça en plus, c'est un fouet en saucisse. Son petit fouet en saucisse, à mon avis, il sert à récolter et il sert à rien d'autre. Donc on va voir s'il nous sort un nouveau commandant épique récolte, ça serait tellement bien, on a tellement besoin de récolteurs. Franchement, les mecs, j'espère que vous n'avez pas fait ça parce que là, on va vraiment vous jeter des cailloux. Point 1, danse de l'amitié, effectuer des quêtes pour gagner des superbes récompenses. Alors, chez Lilith, des superbes récompenses, hein. C'est comme une énorme cagnotte de gemmes, hein. Des superbes récompenses, faut vraiment s'en méfier. Dont une chance d'obtenir le commandant épique, donc on le sait, Diaoshan, gratuitement. Donc là, on sait déjà sûr que Diaoshan est épique et qu'on va l'obtenir par des quêtes. Donc c'est pour ça qu'elle est épique. Point 2, et c'est là qu'on se dit... On a trop d'argent à mon avis et Lilith l'a remarqué. Lelo, la danseuse intrigante et le puissant démo sont disponibles pour une durée limitée. Achetez-les, et c'est rare, hein. Les mecs ils le mettent carrément comme ça maintenant. Achetez-les pour obtenir les commandants Diaoshan et Lu Bu. Je me demande si on va avoir un petit Black Friday comme on a les années précédentes, histoire encore une fois qu'ils fassent un petit peu de thunes, un petit Black Friday, un petit Cyber Monday et ils nous sortent des petits packs. Donc on le voit, il va avoir des lots, donc des packs. Des packs où on pourra acheter et débloquer Diaoshan et Lu Bu. Et donc, si on regarde bien ce pack-là, Lu Bu, et si on lit bien, Lu Bu ne pourra être obtenu... Waouh, il était dur à dire celui-là. Lu Bu ne pourra être obtenu, c'est pour faire la rime, qu'avec un achat de pack et Diaoshan, pack plus quête, comme on veut, si on veut plus de sculpture. C'est ce qu'on en déduit, c'est quand même assez pitoyable malheureusement quand ils sortent des crossovers comme ça et qu'on est obligé de passer à la caisse pour acheter un commandant. Certaines rumeurs disaient même que Lu Bu ne serait accessible que dans un pack pour les VIP 18. Donc ils nous sortiraient un petit patch VIP 18 discrètement, alors c'est difficile d'être discret là-dessus, et ils nous mettraient Lu Bu dans le pack 18. Et que Lu Bu ne servirait au final pas à grand chose, tout comme Mina était utile au début du jeu, mais ne l'est que très peu maintenant. Ou notre ami, je me rappelle même plus de son nom, Barca, voilà, Barca, qui n'est plus utile du tout. Bref, j'allais aller voir, retrouver son nom, mais c'est bon, il est revenu. Bref, voilà, on n'a plus qu'à attendre le 18 et on sera fixé très rapidement. Point 2, optimisation du système du royaume perdu. Alors, certaines récompenses ont été ajustées, super, percevant la valeur globale de chaque niveau de récompense. Bon, ça, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus intéressant. Ils ont amélioré le système de récompense et en contrepartie, ils ont modifié les exigences de progression pour succès croisé. Ces changements entreront en vigueur la prochaine saison de Royaume perdu. Bon, là, c'est à voir. Peut-être c'est majeur, mais on s'en rend pas compte dans le descriptif. Il faut savoir que souvent, ils nous font des très grosses mises à jour comme ça sur les rewards. Et le descriptif est vraiment tout naze, et donc on s'en doute pas. Nous avons remarqué que certains royaumes plus anciens, les augmentations de puissance provenaient principalement de l'entraînement des troupes. Alors les mecs, là, c'est des génies. Il leur a fallu 2 ans pour s'en rendre compte que quand on est au max, c'est les troupes qui augmentent. Faut arrêter de dormir les gars. Mais que le potentiel de croissance de la puissance de chaque troupe était entravé par la limite de capacité des troupes.
Non, le potentiel de croissance de la puissance de chaque troupe est entravé par la limite de ma carte bleue. C'est ce que tu veux dire, dis-le clairement. Afin de remédier à ce problème, et pour faire plaisir à Baba, nous avons optimisé les règles du matchmaking, du MM, du royaume perdu. Désormais, les gouverneurs avec une puissance supérieure à 150 millions seront calculés comme ayant une puissance égale à 150 millions à des fins de matchmaking. Ce changement sera également appliqué au calcul de la puissance du royaume perdu. Les gars, maintenant, si vous pouviez nous donner les informations avant qu'on les remarque nous-mêmes, ça serait quand même sympa. Parce que ça, ils l'ont déjà fait. Ajout du lot de ressources super économiques. Alors, ajout super économique. Si c'était super économique, les gars, ça serait gratuit, hein. Là, ça serait vraiment une économie pour tout le monde. À durée limitée, récolte exceptionnelle au royaume perdu. On va voir ce qu'il vaut ce pack. Optimisation de la saison royaume perdu, hymne héroïque. Optimisation des modèles pour les mines de cristal, les centres de recherche de cristal et les bastions. Pour moi, j'aurais dit chambre de recherche de cristaux, là, pour le coup. Et les bastions pour les rendre visuellement plus attrayants. Ok. Optimisation d'une autre certaine technologie. Super. Optimisation des icônes. Vraiment, là, c'est bien. C'est de la mise à jour majeure. Le nom des forteresses croisées a été modifié dans certaines langues. Ouais, parce que là, ça devait créer des gros problèmes. En revanche, les bugs qu'on a, les vrais bugs bien solides qu'on a, ce serait bien de les patcher plutôt que changer des noms in-game. Optimisation de la logique de compétences de soutien. Les compétences de soutien fonctionnent désormais normalement, indépendamment de la configuration du commandant troupe qui les équipe. Mais les commandants ne peuvent toujours pas équiper leurs propres compétences comme compétences de soutien. Ok, optimisation, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais au final, ça ne va pas faire un gros changement. Optimisation de l'événement doré. Ils ont remarqué que l'événement doré, certains d'entre vous, comme vous me l'avez dit en commentaire lors de la dernière vidéo, où je vous ai dit que d'ailleurs, il faudrait que je vous fasse une démo du royaume doré, certains ont des problèmes et trouvent que le niveau est trop dur. Et je vous disais aussi qu'il faudrait l'ajuster en fonction du niveau du gouverneur. Eux, ils l'ont ajusté en fonction de l'ancienneté du royaume. Donc, on le voit, ajustement de la difficulté de l'événement pour le rendre plus raisonnable. La puissance des gardiens est maintenant adaptée à la durée d'existence du royaume. Je pense que ça aurait été mieux, encore une fois, de le faire à la puissance du gouverneur, avec des paliers comme pour les passeports. Ajustement du fonctionnement des soins de la guérisseur. Désormais, la hutte restaure un montant fixe pour toutes les troupes. Ok. Ajustement du prix de certaines reliques. Super. Optimisation pour les rendre plus raisonnables. C'était déjà raisonnable. Optimisation de l'écran camp de renfort. L'organisation de troupes, vous pouvez désormais appuyer sur le portrait d'une troupe. Super. Optimisation des compétences des commandants et correction de bugs. Alors là, normalement, parfois, on a des belles surprises. Correction d'une erreur de description de la compétence garde vanragienne d'Arad. La description indiquait que la défense perdue, c'était 1, 2, 3, 4, 5%. Et là, finalement, c'est 5% pour tout. Allez, ils n'ont pas réussi à patcher le truc. Ils ont dit ça reste à 5% pour tout. Super, ça veut dire que c'est un malus qu'il a de base. Correction d'une erreur dans la description de la compétence d'expertise de Zenobi montée d'Augusta, ouais, la description indiquait que les troupes soignées par cette compétence gagnent 50% de santé pendant 2 secondes. Les FRL sont les troupes soignées par cette compétence gagnent 50% en santé et 30 dégâts en dégâts infligés pendant 2 secondes. Là, c'est cadeau, c'est pour eux, ça devrait correspondre aux effets réels. C'est-à-dire que les mecs, si on lit pas les logs, on ne sait pas qu'ils ont fait n'importe quoi et qu'il y avait des gros bugs. Ajustement des effets. Et déjà que Zenobia, elle était énorme. Bon, là, ça ne bouge pas, hein, puisque c'est censé être une correction qui existe déjà. C'est juste une correction de texte. Je demande à voir quand même. Ajustement des effets de la compétence active d'Artemis. Première bataille de Salamine. C'est presque bataille de Salamine, dis donc. La compétence inflige des dégâts à toutes les troupes menées par ce commandant avec un multiplicateur de 300. Avant cette correction, cette compétence pouvait lourdement blesser vos propres unités. J'ai pas assez joué Artemis Romier pour me manger mes propres coups, mais ça devait être drôle à voir. Optimisation du système d'immigration. Alors quand j'ai lu ça hier, je me suis dit, ah, enfin, ils ont remarqué, on a tous quand même bien évolué en puissance. Et ils vont s'en mettre un peu moins les poches vu qu'ils servent ailleurs. Ils vont nous baisser le coût des passeports. Même si ça fait très longtemps que je n'en achète plus parce que le 1256, c'est un royaume de ouf que je surkiffe. Là, je me suis dit, ils vont quand même baisser les prix pour tout le monde. Non, non, optimisation de la page liste de royaume. Les gouverneurs peuvent désormais voir des descriptions plus concises des règles d'immigration ainsi que l'état de chaque royaume. Super. Alors la prochaine, attention, il faut bien s'accrocher. Lorsque tous les royaumes d'un même continent sont entre les phases naissant et développé, le continent aura deux royaumes émergents. En ne comptant que les 300 premiers gouverneurs dans le classement de puissance de chaque royaume, les deux royaumes avec la puissance totale la plus élevée seront les royaumes émergents.
les gouverneurs avec 10 millions de puissance ou plus ne pourront pas émigrer dans les royaumes émergents, mais le statut de royaume émergent changera en temps réel avec des changements dans le classement de puissance totale. Si un royaume est à la fois émergent et un royaume impérium, les règles d'immigration du royaume émergent prévaudront. Évidemment, puisque le royaume impérium a une limite à 35 millions et le royaume émergent en a une à 10 millions, donc ils prennent le plus restrictif des deux. Ce changement, je ne comprends pas bien l'utilité, en tout cas l'énoncé est bien compliqué, mais le résultat est qu'il y a deux royaumes qui seront impériums, sont considérés comme impériums ou émergents, qui seront bridés sur chaque continent. C'est dommage pour certains royaumes, est-ce que ça va favoriser les autres royaumes du continent? On le verra pour éviter que tout le monde migre dessus et éviter les jumps, les techniques de jump là-dessus. On le verra, j'ai quelques doutes quand même. Optimisation de la logique d'immigration sur le même continent, les gouverneurs sont désormais autorisés à émigrer dans un royaume plus ancien sur le même continent. Bon, ça c'était un bug hein, qui corrige, hein. C'est pas une optimisation les gars. Autre optimisation, rassemblements optimisés, les gouverneurs peuvent désormais quitter des rassemblements à tout moment. Ça, si on accepte les deux nouveaux commandants et le fait qu'ils nous prennent un peu plus de thunes avec leur pack, c'est la plus grosse information de cette match. Les gouverneurs peuvent désormais quitter des rassemblements à tout moment. C'est de la balle. On va pouvoir quitter des rassemblements, avoir une troupe à côté et renforcer le rassemblement. Et donc, il n'y aura plus de troupe qui a un comme ça et qui est morte dans un rassemblement mais qu'on ne peut pas renforcer ce rassemblement. C'est vraiment un très gros patch, ça a une très grosse information. Ça va rendre les attaques vraiment beaucoup plus longues puisqu'au lieu d'avoir un rallye et quatre troupes derrière, soit qui swarment, soit qui attendent quand on ne swarme pas, un bâtiment ou une structure ou une ville ou quoi que ce soit, on va pouvoir sortir notre troupe et en remettre une fraîche et neuve. Là vraiment c'est énorme, ça va changer beaucoup de choses et on va se taper des rallyes qui au lieu de durer 2, 3 heures, 4 heures comme on l'a vu hier vont pouvoir durer facilement 5, 6, 7, 8 heures, 10 heures. Donc ça va vraiment changer énormément la durée et aussi un peu la stratégie puisque est-ce qu'il va être plus performant de ne pas swarmer, peut-être plus rapide, mais il sera plus performant de sortir sa troupe et de renforcer. Ajout d'un compteur affichant le nombre de membres de l'Alliance en ligne. Enfin, cette fonction est utile lorsque les leaders officiers d'Alliance essayent d'organiser des événements. Non mais t'as pas besoin de nous dire que c'est utile, on le sait. Ce qu'il faudrait aussi que tu nous mettes, c'est la moyenne de temps de jeu, etc. Ça serait très utile aussi. Ajout de 4 approvisionnements de 7 jours en édition limitée. 1 pour la nourriture, le bois, la pierre et l'or respectivement. Chacun sera disponible en suivant une rotation dans votre royaume pendant une durée limitée. Le rachat est limité à 2 approvisionnements par type de ressources. Ouais, ils monteront bien à 4 pour nous prendre un peu de maille, hein, les gars. La grande finale de la Ligue Osiris démarre. Super, la grande finale est une compétition en 3 manches. Les paris seront ouverts aux heures correspondantes. Ça, c'est bien. Voilà, un nouveau... Alors, qu'est-ce que la grande finale de la Ligue Osiris? Parce que la grande finale est une compétition en 3 manches. C'est-à-dire que c'est une nouvelle compétition, on ne connaît pas cette compétition. Est-ce que c'est la finale classique de la Ligue qu'on aura à partir de la semaine prochaine? La finale de la Ligue, normalement, c'était en un match. Est-ce que cette fois, ça va être en 3 matchs, donc au meilleur des 3 matchs? Vraiment, il va falloir suivre ça. Ça aussi, c'est un point intéressant, je dirais le deuxième plus intéressant. Et donc, ça veut dire des nouveaux paris. On va parier comme des oufs et on va encore se blinder. J'espère que pour le coup, ils vont en faire un event particulier, qu'on aura de nouveau un store ou des récompenses bien précises, ce qui nous permettra de revider un store parce que là, on l'a déjà vidé si vous avez suivi mes paris. Et si vous n'avez pas encore suivi, allez voir la vidéo d'hier où je vous fais mes pronostics. 5, réduction des exigences de niveau pour équiper l'ensemble de gardien de la forêt. 6, ajout de 4 nouveaux accessoires, tambour de guerre de Karua, appel de 7. Ok, des nouveaux items dans la forge, comme d'habitude. 7, réduction de la quantité d'or requise pour forger de l'équipement normal et avancé. Est-ce qu'ils vont nous rendre notre or? Là, je pense pas, on rêve un petit peu. 8, ajout d'une fonctionnalité de tri des demandes d'avance. Bon, pas très utile, enfin, peut-être utile, mais pas prioritaire. 9, optimisation du système d'expédition, ça, enfin. Lorsque vous quittez une expédition, vos arrangements de troupes sont enregistrés. Ça m'a toujours saoulé au début du jeu quand je devais les faire ou quand je dois encore les faire sur mes rerolls. C'est bien relou d'à chaque fois refaire son roadster, ses équipes. Là au moins, ça va les garder en mémoire. Enfin, après votre entrée 10, après votre entrée sur le champ de bataille de l'événement Crise de Céroli, vous pourrez changer de rôle avant le début de la bataille. Ça aussi quand même enfin parce que combien de fois on était bloqué avec un rôle par défaut de tank alors qu'on voulait être soutien ou DPS. 11. Et ça, c'est la troisième information la plus importante. Je vous l'avais dit quand c'est sorti,
ils se foutent de notre gueule avec leurs 10 gemmes pour le prix du journal. Maintenant, c'est 1000 or. Ils arrêtent de nous prendre des gemmes, ils nous prennent 1000 de l'or. Là, peut-être un petit peu plus de monde vont l'acheter. Ils ont dû le voir que plus, peu de monde l'achetait au final, même pour leur bœuf en carton. Moi, je l'achetais jamais ou très rarement que pour les batailles quand il y avait un bon bœuf. Là, pour 1000 unités d'or, ben, je vais l'acheter tous les jours du coup. Et 12, résolution de certains problèmes de latence d'écran, dont ceux causés par la présence d'un grand nombre de troupes à l'écran à la fois. Donc, mage de bug et de freeze, on va bien voir ce que ça va donner. Et pour finir, laisse un commentaire et ceux qui ont rempli le formulaire sur 5 jours, on recevra un cadeau, des petits rewards. Même si c'est médiocre, c'est toujours bon à prendre. Voilà, vous l'avez vu, c'était très très long comme patch. Beaucoup d'informations qui ne servent pas à grand chose, mais quelques informations de ouf, notamment le fait de sortir d'un rallye à tout moment. Ça, c'est tout bonnement énorme, les nouveaux commandants et le fait qu'on va un petit peu dépenser plus d'argent pour aider Lilith à augmenter son bénéfice en cette fin d'année. Eh bien oui, il faut bien acheter des cadeaux pour les enfants des créateurs du jeu. Donc forcément, on va lâcher un peu plus. Voilà, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très, très, très plaisir. Et surtout, 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 ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Roque.